Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo un peu différente où on va jouer à Lego The Hobbit. Alors The Hobbit, c'est un film que j'ai vu il y a au cinéma comme tout le monde, mais j'ai revu en fait la version longue en Blu-ray et tout ça. Et il y a pas mal de choses qui m'ont échappé et on peut comprendre plein de choses. Ah, on voit Gandalf. Donc c'est parti. Mais dis donc, mon vieux, regarde ma Tous couronne! devraient lui rendre hommage, même le grand roi des elfes, Le roi des la elfes. grande ville. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arc? Il est complètement fou, le vieux. Dans les mines de ce jour. J'ai jeté. Alors, la splendeur ouais, de cette salut. ville, fortifiée, bâtie au sein même de la montagne, était légendaire. Ouais, je défonce tout, je m'en bats les gars. Bon, on va arrêter de péter le mobilier quand même. Oh, des coffres. Ok, j'avais dit qu'on arrêtait. Putain. Oh non, je l'ai tué. J'ai tué mon pote, putain. Bon, ça va, il est revenu. Et voilà! Attention, on va forger quelque chose de génial. Appuyez sur X1V pour remplir l'anneau de forgeage. Lorsque la lueur apparaît. Et qu'avons-nous forgé? Ouais, carrément. L'habileté des nains était sans égale. Une clé. Ils façonnaient des objets d'une grande beauté. Incrustés de diamants, d'émeraudes. Ça, calme-toi, on a fait une clé. Et on la jette comme ça, d'accord. On s'est cassé le cul à faire une clé. Et on la balance, au calme, sans pression. Ok. Il vient juste d'avoir un accident. C'est. Ok. Que le train de la mine je le prendrai pas là-bas hein. C'est mort. Oh putain de je suis mort comme une merde. Oh putain, je m'attendais pas. On va aller là-bas, sauf que la plateforme, si on reste trop longtemps dessus, eh bien cool, et que mon bouton saut bug. Mais c'est pas possible, c'est une blague. Heureusement que Sam est capable de faire des sauts de dauphin. Oh purée. Oh, j'ai eu trop peur. Tu vas te calmer, Bilbon, là. Va sauter partout, là. C'est pas bon à ton âge. Hein. Oh, on est chez qui? On est chez Sam, là? Ouais, je suis chez moi et je démonte tout, j'en ai rien à faire, les gars. Vous savez, certains s'interrogent à votre sujet. Ils trouvent que vous devenez bizarre. Bizarre? Je vois pourquoi. On dirait Jean-Claude Van Damme. Je ne suis plus le hobbit que j'étais. 60 années plus tôt. Excusez-moi, je vous connais. Je m'appelle Gandalf. Gandalf, qui faisait de fantastiques feux d'artifice. Mais oui. Si vous êtes encore en activité. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Eh oui, une aventure, quoi, les gars. Non, 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 je regrette. Nous ne voulons aucune aventure ici. Bonne journée. Un requin, quoi. Douala, pour vous servir. Douala. Bilbon, Saké, pour vous servir. Nous nous connaissons. Non. Voilà. Ah. Balin, Balin, pour vous servir.
Ok, bonsoir, bonjour, je m'incruste chez toi. Il n'y a aucun souci. Coup de tête. Bam! L'ennui, c'est que je ne vous connais pas le moins du monde. Encore quelqu'un? Oh putain, les assiettes! Si j'avais les assiettes comme ça... Hey! Qu'est-ce que... Philippe et Killy, pour vous servir. Ouais, heureusement qu'ils sont frères. Faites attention, je viens de les faire affûter. Veux-tu la mettre? Monsieur Douala. On a d'autres. Il a dit qu'il y aurait à manger, et en quantité. Il a dit... Mais qui a dit? Glandalf. Glandalf. Mon cher Bilbon, que diable vous arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Je sais pas. Je suis envoyé par des nains. Que faut-il ici? Et ils font une très joyeuse assemblée. Quand on s'était battu. Pourquoi Gandalf n'a pas de cheveux là? Killy, Fili, Oin, Gloin. Voilà, Balin, le cochon. Une girafe. Que non, tout va bien. Je ne peux pas m'habituer à eux. Regardez l'état de la cuisine. Qui compagne. Vraiment, vous ne carrez pas. Oui, vous avez raison, Bifur. Pourquoi? Il semblerait bien qu'il nous manque un nain. Je suis désolé de vous déranger, mais qu'est-ce que je dois faire de mon assiette? Moi je sais, Ori, donne-la-moi. Ah, d'accord. Tout ce que Bivon Sacquet déteste. Ambiance chez Sake ce soir. C'est un carreau, hein. Alf. Salut, ça forte. Bilbon Sacquet, permettez que je vous présente le chef de cette compagnie. Thorin, écu de chêne. Alors, c'est le Hobbit. Dites-moi, monsieur Sacquet, vous êtes-vous souvent battu? Non. Je vous demande pardon. Et les nains des monts de fer, qu'ont-ils dit? Daïn est avec nous. Ils disent que cette quête est la nôtre, et seulement la nôtre. Vous lancez dans une quête? Loin, à l'est. Par-delà des monts et des rivières, la montagne solitaire. Quand on verra les oiseaux d'antan à Erebor sans retournant, le règne de la bête prendra fin. Oh, quelle bête? Le dragon Smaug n'a pas été vu depuis 60 ans. Les immenses richesses de notre peuple sont peut-être sans protection désormais. On ne peut pénétrer dans la montagne. Et cela, mon cher Balin, n'est pas tout à fait vrai. S'il y a une clé, il doit y avoir une porte. La réponse est cachée quelque part sur cette carte. La tâche à laquelle je pense exige une grande discrétion. Donc il faut un cambrioleur. Et un bon. Un expert, j'imagine. Les hobbits ont le pas extrêmement léger. Et alors que le dragon est accoutumé à l'odeur d'un nain, celle d'un hobbit lui est totalement inconnue. Donne-lui le contrat. Non, non.
C'est un contrat classique, remboursement des frais personnels, temps requis, rémunération, prise en charge des obsèques, etc. Prise en charge des obsèques. Avec, avec l'ours, n'importe quoi. Pas Je pars pour une aventure. Mon cher ami, je n'ai pas douté de vous un seul instant. Bah, pourquoi y a eu... Oh putain, on peut commander Gandalf, ça y est. Ouais. Cool. On va péter des trucs à distance. Genre ça. Allez, encore un petit coup, ouais. Merde, ça a pas marché. Il y a un temps de recharge ou quoi? Bah, t'as plus de pile, Gandalf. Ouais, c'est nul, il y avait rien dedans. Il tombait comme une merde. Donc, que tu veux, toi? Mon puits. Vous voyez ce puits? Ah, en fait, vous ne le voyez pas, car il n'y a pas de puits. Il n'a pas été entretenu depuis longtemps. J'aurais besoin de votre appui. Pourriez-vous me construire un nouveau puits? Puis je pourrais peut-être... Arrêtez de répéter, puis pour commencer. Oh purée, là, tu vas te la manger toi, ta la salade de phalangin. C'est le puits en question là. C'est un nouveau puits. Oui, c'est un nouveau puits. Tout neuf. D'où vous puisez vos efforts? Puis, j'ai épuisé toutes les utilisations du mot puits. Mais c'était plutôt amusant, n'est-ce pas? Non. Merci d'avoir réparé le puits. Ouais, de rien. Allez, salut. Attendez! Attendez! Je l'ai signé. Bienvenue, Monsieur Sake, dans la compagnie de Thorin Écu de Chêne. Je vous en prie. Oh non, non, attendez, attendez, arrêtez-vous! C'est un beau c'est ça. Ah, quel idiot. C'est l'escalade, les gars. C'est l'escalade. Allez, viens. Aïe.
en a des douzaines dans le coin. Vous trouvez ça drôle? Vous pensez que la tête d'orque est une plaisanterie? On ne pensait pas à mal. Vous ignorez tout du monde. Ne t'en fais pas, mon gars. Thorin a plus de raisons qu'un autre de détester les orques. Après que le dragon eut pris la montagne solitaire, le roi Tror tenta de reconquérir l'ancien royaume des nains, la Moria. Mais notre ennemi était déjà dans la place. La Moria avait été prise par des légions d'orques, conduites par le plus ignoble de toute leur race. Ah ouais, on vit le combat, quoi. Azog, le profanateur. Si t'as fait, si ta tête est partie comme ça, t'es pas censé crier. C'est la fin. Wow, tu vas prendre cher. Seul, il n'avait plus qu'une branche de chêne pour se protéger. Viens te battre, je t'attends. Paf la main. Pas de main, pas de chocomain. N'importe quoi. Azog avait été vaincu. Et je me suis dit alors, il y en a un. Ouais. L'Orkpal, qu'est-il advenu de lui? Cet être infâme est mort de ses blessures depuis longtemps. Peut-être pas. Sigurdolpir. C'est vrai, avec son téléphone.